Oui, pardon, on arrive, oui, oui. Non, non, bien sûr, j'en vis, mais non, mais bien sûr, je suis mal garé, je sais. Arrêtez, tous les deux, merde. Les îles, en plus. Tout, il y a tout. Alors, c'est amical ou c'est pas amical, Jacques? Non, 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 madame, c'est à Toulouse, c'est à Toulouse. Serrez-vous, madame. Oh, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? T'as pas vu mes chaussettes? Non, non, pardon, attends, il y a un petit souci de... Ah oui, on a du souci son. Petit, les Samoa en train de chanter l'hymne, bien sûr, du Pacifique Sud. Et Blue Sky aussi, il chante visiblement, ce qui me rappelle, mais il m'a excusé. Hier, un match 782, bienvenue dans 783 Sportaz Foundation Live, present France Samoa Rugby. Ça m'a étonné qu'il y ait encore du match à la télé. Hein. On écoute un peu l'hymne de Samoa, s'il vous plaît. On essaye. Merci. On peut pas plus. On est à fond. Ah ouais. Ah. Allez, c'est joli, c'est joli. Écoute-moi, c'est voir. Mais je crois qu'on est en direct avec le Vendée Globe. Jackie, c'est vous, hein, qu'on entendait le chez vous, ça. Je suis dans la cale. C'est vous. Je suis dans la cale. Écoutez la houle. Bon, ben, Vendée. Vendée. Emporté par la houle. Je me tire. Merci. Ouais, merci. Merci, Jackie. Merci, madame. Merci, mademoiselle. Et merci, monsieur, d'être là encore aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux. Hier, vous étiez pas. Et aujourd'hui, il paraît que vous êtes plus. Oui, quand même. 25 hier, je crois. Non. J'ai eu les chiffres officiels. Et c'est pas tout à fait ça. Attention, la Marseillaise. Ouh là là, à Toulouse, la Marseillaise chantée à Toulouse avec les militaires de la compagnie du Caouzou. On allait laver, ils nous l'ont mis un peu plus une fois, mais ça revient. Pense à moi, ce sera toi ou moi. Pense à moi. Nous irons jusqu'au bout de l'essai. Camille Pujol. Avenue de la République. Donnez-nous du boulot. Passons la rue des lois. Des CDI, des CDD. Plein de jobs bien frais. Tout le peuple qui souffre. Merci. Dans une foule en délire, il y a un bordel ici derrière. Eh oui, c'est en direct du stadium, voire du Capitole. Hein. On a mélangé les deux publics grâce à la technique 4D. Oui, absolument. Jacques, précisez ce qu'est la technique 4D, la 4D audio, bien évidemment. Bien sûr, beaucoup de dés. La 4D bille surtout. Tandis que là, il va y avoir quelque chose. Hein. Il va y avoir, je pense que c'est une minute de silence que nous ne respectons pas. Non, nous y associons, ce qui était déjà difficile à dire, mais c'est vrai que les minutes de silence, c'est pas facile. Allez, on kiffe. On vous laisse le public. T'es bien habillé aujourd'hui. Ouais, merci. Ça fait un effort, c'est bien. Françoise, qu'est-ce qu'elle fait là, Françoise? Il est arrivé, ce putain de train là ou non? Ah, il revient. Voilà. Ah, ça y est, c'est le retour. Avec un match de sport sans public, c'est pas tout à fait un match de sport. C'est un peu curieux. Tu as vu ce beau stadium? Regarde quelle belle image, une superbe image. On va pas faire le doublage parce que justement nous sommes emmerdés à cause des images. Vous le savez, si jamais une image passe, nous sommes complètement laminés pendant des années, des siècles et des siècles. Alors c'est pour ça qu'on passera pas l'image de ce doublage et c'est bien dommage. Oui, avec l'effet start, hein, donc bien sûr, le start on the Dailymotion page. Ah oui, on va essayer de démarrer en même temps, bien évidemment, que le match. Mais attention, il faut s'arrêter au rugby. Alors qu'ici, c'est la sculpture humaine, hein, une fois de plus, l'art s'immiscie. Oui, bon, tant que c'est pas l'arrogant, ça va. Et le Samoa, hein, on a vu, il y a un Turc hein, dans l'équipe de Samoa. Oui, je voulais dire, oui, je voulais préciser, je vous préciserai quelque chose tout à l'heure dès que j'aurai effectivement eu des précisions. Bien sûr. Merci. Attention, le haka Samoa. Alors c'est pas le haka saoulé, c'est vraiment Jacques, tu vas voir. C'est assez curieux, ça rien de tout à fait guerrier, mais c'est assez prime sautier. Enfin, vous allez voir, ça c'est assez amusant. Madame, mademoiselle, monsieur, vous êtes conviés au haka Samoa. On va voir la capella.
En dehors, il est quand même plus dynamique que le AK maori et néo-zélandais. Ah ouais, non, ça fait plus swing, Michael Jackson. Thank you. Ça faisait quand même un petit peu ça. Voilà, mademoiselle, monsieur, bonjour, Sporta 783, on démarre sur les chapeaux de roue. Et ça va commencer, c'est un petit peu long quand même, là, l'entremise, là. On perd du pognon, nous, avec ces conneries, là, Jacques. Je te dis qu'on perd du temps sur le temps qui nous est alloué pour commenter temps, ce match. Du coup, il y a une averse qui nous tombe dessus. Ah, chier, terrible. D'ailleurs, on la voit, le ciel s'obscurcit du côté de la ville rose, où se déroule ce putain de match, avec coup d'envoi qui va démonter les tibias sur la PPR à côté. Ah, le petit Toufik. Donc, t'as pas enlevé le R. Allez, vas-y, go. Yes, voilà. Et du coup, il se tire, et oui, il va marquer tout seul, il poursuit lui-même son coup de pied à suivre. Il poursuit son coup de pied à suivre, il va marquer. Alors qu'on essaie de l'empêcher. Tout fait. Et c'est... Wow. Vite, cherche le pognon, hein, alors visiblement, monsieur... Oui, l'Africain du Sud. Monsieur Petit Salé aux lentilles. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Il est venu assister de monsieur Petit Lardon et monsieur Carotte. Carotte, oui. Arrosé avec modération d'un excellent petit pointu gris. Il est arrivé aussi avec son ami Joté. C'est parti, merde. Ah, voilà, le steak. Zéro seconde, il part pas, l'enfoiré. Il n'y a pas le truc du start. Et pendant ce temps-là, ce sont les Samoa qui récupèrent ce premier ballon. Ça y est, c'est parti, nous aurons 15 secondes de bourre. C'est pas... Il en faut, c'est du 15 secondes de bourre. Et le France qui est dans 72. Fait le patatas tout de suite. Non, c'est pas les Français en bleu, Jacques. Hein. Ah bon? Ah non, oh merde. Ah non, ça commence. Je suis pas Jacques. Allez. Oh, attention, le ballon est récupéré par Pudding qui va essayer d'entrer, de filer à boucher à tout le monde. Oh la drama, terrible, le plaquage très sévère. Mais l'arbitre n'intervient pas. Les Français récupèrent ce ballon. La musique monte derrière moi. C'est magnifique ce qui se passe ici en direct du Stadium de Toulouse. Sur la gauche avec Jean-Pierre Jones qui est bien plaqué. Ah, alors ici, Vendée Globe avec Jackie. Jackie, vous êtes descendu en dessous, là. Oui, nous rentrons. Nous rentrons. Hein. Je préviens ma femme, au cas où elle aurait fait venir quelqu'un. Nous rentrons, donc, qu'elle ne soit pas surprise. Ne t'inquiète pas. À tout de suite. Alors, une petite précision, Jacques. Il faut rappeler à nos auditeurs que nous n'avons pas reçu la formation, l'équipe Samoa. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Oui, le fichier était trop lourd. Effectivement, la composition de l'équipe, vous le savez, c'est beaucoup de kilos. Et donc, le fichier est encore en téléchargement au moment où je vous parle. C'est pour ça que nous n'avons pas tout à fait les noms. Par contre, si vous voulez, nous avons les quelques mensurations. 105, 123, 230 kilos. Enfin, c'est quand même du lourd et du costaud. Et on se délecte de ces images avec Jean-Louis Paradis. Merci Jean-Louis. Ce sera une touche au bénéfice des Français. Alors, le flash. J'achète cette musique. Ok, ça y est, Jacques, j'ai sorti l'affaire, c'est bon, ok, ça marche. C'est parti avec la France, qui est dans les 22 mètres dans la Samoa. Voilà, alors ils ont essayé de... Ils sont forts, c'est Samoa. Oui, et puis attends... Ah, il est sorti du 9, France le 8, oui, stop it. Stop it, petit en avant, et oui, signalé par monsieur Petit Salé aux lentilles. J'ai peur que ça nous donne vite faim, hein, le nom de l'arbitre. Tu cherchais quelque chose, un cendrier, du feu, quelque chose. Sport 783, live direct, again, Dailymotion, sur Facebook aussi, la page officielle. Oui. De Radio Sportaz. Ah, voilà. Nouveauté s'il en est, nous essaierons de nous concentrer sur cette page officielle. Oui, vous allez voir qu'on débute hein, là-dedans parce qu'on ne sait pas comment enlever la seule photo qu'il y a partout. Et c'est un petit peu curieux. Donc si quelqu'un s'y connaît un peu peut nous aider, ce sera le bienvenu. Je pense que vous pouvez par contre y envoyer des messages, hein, c'est ça Jacques. Oui, affirmatif. Hein, jusqu'au jour, nous pourrons le faire totalement en direct, totalement libre avec vous. Oh putain, j'aime ce que tu dis, Jacques. 3 minutes de jeu, déjà ici à Toulouse, et 0-0 entre la formation française et celle du Samoa. Et je guinche sur le bateau tout de suite. Et ça pleut pas, hein. Pour l'instant, non, visiblement.
Okay. Alors qu'ils avaient promis l'apocalypse et un long ballon. Relance française donc. C'est curieux, non, c'est non Jacques, tu ne fais pas, ce sont non. les Samoas qui ont relancé. C'est là. Ça, c'est ouais. pour ça que je ne comprends pas ce qui se passe, ce sont les Samoas. Est-ce qu'on peut retourner la télé pour Jacques, parce que là ça va pas du tout. Tout. En négatif, on perd le ballon. Ils sont bons, ils sont bons. Oh, ce sont les Samoas qui l'ont fait. C'est pour ça que je suis pour ces petits joueurs là qui ont l'air en fait, plus affûtés. Le maillot couleur de l'Italie surtout, c'est ça qui est troublant. C'est ça qui te trouble Jacques, qui te trouble le bon conteste, mais super déblayage de la part des Samoas qui montent avec 140 kilos. Ouais. 140 kilos, qui roulent de la preuve. Pas mal. Et on est au sol maintenant. C'est en train de nous faire très mal, très mal. Ils récupèrent, ils ouvrent le ballon, on s'enfonce en nouveau. Ils jouent, voilà, c'est ça le rugby. On essaie de créer des points de fixation, ce qu'on appelle, pour concentrer la défense sur un axe et ensuite la déborder pour aller marquer. Voilà, c'est ça. Hein. Ouverture donc à nouveau, même endroit à peu près, même phase de jeu, même résultat. Oui, ça se répète même un peu. Même ta mère. Ouais, c'est ça. Le petit problème, c'est que à force, ça devient un peu monotone. Alors, messieurs, est-ce qu'on y en galop ? On y va. Oh, on a failli faire faute du côté français, mais très intelligemment, on a levé le bras. Et celui-ci. Double découpé. Ah, ouais, non, mais c'est bon, ça joue les Samoas. C'est pas mal. Le 6 de Samoas, là, il est excellent. Allez, Stephenson, pour. On va dire les Samoas. Au moins ce soir, ratatatako. Ah non, là, ça c'est plutôt du côté malgache. Oh, mais il y a des mélanges, hein, vous le savez, dans ces tribus. Il est passé à passer le pitchoun. Le pitchoun de Samoa qui regarde bien. Il a donné au gros derrière. Attention, c'est reparti sur le petit côté pour les Samoas. C'est à moi, c'est à moi. Dans les veines de français. C'est à toi. Ils sont bien. Mais tu sais quoi, c'est qu'ils nous confisquent que le cuir surtout. Certes, mais les Français sont au fort. On les dit un petit peu joueurs n'importe comment et ceci et cela. Ouais, un peu. C'est vrai que là, il y a quand même une certaine dextérité, effectivement. Une rigueur même dans le collectif, pas de faute. Mais belle défense pour l'instant, tranquille, du côté tricolore. On coulisse gentiment, on fait venir dans l'entonnoir, on prend. Et on resserre. Voilà, allez-y les gars là maintenant. Voilà, c'est bien ce que vous faites, mais il va falloir quand même s'approcher, devenir efficace. Ouais. Tentative de transpercer. On a essayé d'envoyer le son de l'essai, mais là, un peu tôt. C'est un peu tôt, Jean-Louis. Merci, Jean-Louis, d'avoir essayé. C'est bien, quand même. Yes, retentative bleue, longue séquence de jeu. Pripoum, qui transmet à. Oh là là, oui. Antonin Fulgurant. Antonin Fulgurant qui reste debout. Oh là là là, tu lui mets des bourrifs de tous les côtés. Mais ça passe pas quand même. Il lâche pas le ballon, c'est normal, ça passe. C'est pour ça que c'est pénalité. Oui, c'est surtout le défenseur qui a pas lâché. D'accord. Le joueur, c'est une pénalité pour les Samoas. Deuxième du nom. Ah, et première possibilité pour les pacificiens. On dirait que le maillot transpire. Vous avez vu avec ces petites paillettes, là, on dirait que c'est le maillot qui transpire. Blue Sky. Blue Sky. C'est une espèce de vieille pub pourrie. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs produits en un seul. Oh là là, Jean-Louis, c'est terrible ces images. Et cette musique derrière, là, ça fait un peu Samoas, ça plaît au Samoas. La fanfare numérique de Strasbourg, hein, donc, que vous entendez derrière nous. Celle qui joua hier l'hymne. Ah, saucisse. Pour l'île de France. On recycle. Attention. On recycle, on est au pays du Tour de France. Alors, c'est est-ce qu'ils sont bons dans les pénalités, dans les coups de pied, les Écoutez, ils sont bons. Ils sont bons pendant les soldes. On les voit dépenser largement leur argent quand ils voyagent, les hommes du Pacifique. Ça, mais à part ça, leur pouvoir d'achat, je ne sais pas. Leur pouvoir. C'était pas ma question. Le pouvoir rugbystique. Vous me parliez du pouvoir rugbystique. De pouvoir marquer là. Je ne le connais pas. Merci Jacques pour cette précision. Regarde ces poteaux, regarde ce stadium, regarde cette ville attention, derrière. Attention, c'est parti. Ouais. Excellent, c'est fou. Et non. Et si Potao rentrant. Oh, go. Très beau. Para Samoa. Ah, ils forcent leur destin, c'est beau à voir. Et puis c'est une petite quand même surprise. On s'attendait à une équipe de France d'entrée conquérante et finalement ce sont les Samoas là qui confisquent la balle. Ah, tu vois le poteau, tu vois le topo. Merci Polo. On voit ça avec un bruit terrible, là au ralenti. Ça suffit. Ça suffit les bruits, mec. Ça le suffit, mais. Belle prise, mais immédiate réaction de la défense française. Le ballon est sorti légalement. Samoa, je précise, Jacques. Donc, légalement. L'heure 22 et 7 minutes et 45 secondes, moins 15 pour nous. Moins 15, nous sommes mal à moins 3.
Et 3-0 pour les Samoa, bien sûr. Oui, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ah, voilà. Oh, glisse à terre, pitchoun. Mais il s'est remonté, il s'est relancé. Il s'est pris un bus double taille. Comme il faut, bébé. C'est la France qui attaque du petit côté. Ouais. On appelle ça le petit côté parce que c'est de petit côté. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal avec du placage haut. Du placage haut, du placage haut ou du placage bas. En retard, peut-être, surtout. Est-ce qu'on peut revoir ça, Jean-Louis? Ce sera Véry Gentil, il a ramassé, hein, je pense, le capitaine tricolore. Il a reçu la bénédiction samoane. Qui veut qu'au premier contact, tu aies la rate qui éclate. Nous arrivons. Oui, Jackie. Nous arrivons, nous sommes là. Vous prenez un bain de foule. Ah oui, un bain de son surtout. Ouais. Écoutez-moi ça, je me baigne dans le son et je m'éclate. Ouais, les gars, on y est. Oh, okay. Jean-Louis, quel ralenti. Ouais. Oui, si vous avez un problème de réception FM, c'est normal. C'est bien de chez nous. Hein. Ne touchez rien surtout. Et pénalité par Afrancia, je répète, pénalité par Afrancia, occasion d'égaliser. Francia. Occasion belle d'égaliser pour la Francia. Francia derrière toi, vas-y, gars. Merci. Merci les gars. On va poser tout ça, on va sortir les martiens. Parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, tu dis, il y a quand même un son qui. Il y a quelque chose. Et quand ça s'arrête, tu vois ce que c'était. Ok, vas-y, Sam. C'est la France hein, qui tente de revenir à égalisation. Ce qui est surprenant, il le fait. Il le fait. Bien mâche, dedans, c'est bien chanté, il n'y aura pas de poteau. Ah ouais. Non. Mâche pas ses mots là, il a passé. Ouais, le public à moitié content. C'est vrai, hein, tout le monde ne lève pas le drapeau, c'est pas très bien. On est content, hein, vous le savez maintenant, ce qui était à l'intérieur, et sur l'écran, voire dans l'écran. Comptez les drapeaux, hein, c'est le nouveau jeu donc, de France Télévisions. Vous nous dites combien vous voyez apparaître de drapeaux sur l'écran. Et ensuite, vous téléphonez ou vous envoyez un message sur notre page Facebook. Allez, monsieur Salé, monsieur Salé aux lentilles, hein, c'est ça? Petit Salé aux lentilles. Petit Salé aux lentilles. Vous ne pouvez pas si petit que ça, c'est pour ça que je mets. Mais il est petit, c'est vrai. Ah non, il n'a pas le droit de le prendre quand il est en l'air. Non, mais ils font des fautes stupides un petit peu quand même. Las Franceses Les Samoa, Jacques, en bleu, ce sont les Samoa. Mais je comprends bleu. Ça dégueulasse. Je comprends bleu. Il fallait bleu. Là, il peut pas. Il a pas le droit de le prendre quand il est en l'air. Ça peut être très dangereux, tu vois. C'est vrai que Blue Sky, je me disais, ça sonne pas français. Non. Hein? Ce sera donc une pénalité. La chance de ne pas être suspendu. Il y a un son qui nous vient de quelque part. Hein. C'est quoi? C'est rien. Hein. Nous allons couper ce son là. Nous avons un son hooligan qui vient de rentrer. Il en a du mal à le sortir. Écoutez, il résiste. Il en veut le con. Putain de son de merde, casse-toi quoi. Baissez le son s'il vous plaît. Non, baissez le son. Alors. Non, Jean-Louis. Non, baisse le son, Jean-Louis, on entend ce que tu fais derrière là. Putain, quel son de merde. Comment tu peux travailler dans des conditions pareilles? Et ce serait une touche au bénéfice des Français. Trois partout entre les deux formations. 10 minutes de jeu à peine. Pas de risque, il y a 3-3 pour les deux équipes. Ouais. C'est équivaut à 0-0. Ah, ça, c'est joli. Ça se joue au centre du terrain. Comme... Enfin voilà, il n'y a pas vraiment d'équipe qui prend le pas sur l'autre. Ça prend forme. On va dire ce match. Oui, on se transperce un premier rideau défensif récemment. On joue l'évitement d'abord et ensuite la percussion. C'est pas mal du tout pour l'instant. Voilà, c'est ce jeu rapide. C'est qui le 9? Ah, joli. C'est Mâche Cémo. Okay. Ok, on reprend les fondamentaux, hein, bien sûr. Les Françouses, c'est pas mal. Ça c'est pudding, il avait tout défoncé. On revient à l'intérieur, Huguette qui s'est fait claquer, mais ça continue quand même. Jean-François, mais j'y vais. Albert qui soutient, tout le parc français. Ils sont vexés d'avoir été... Possible. Ah oui, regarde ça. Possible, oh dommage, ou Huguette. Jean-Louis, tu filmes où, Jean-Louis? Jean-Louis. C'est ta mère, Jean-Louis. Go. Barafrandia. Et un assez bel essai, on doit le dire quand même. Beaucoup de mouvements, l'entremise, de l'entraînement, des contacts, du contrat. Je veux dire, c'est du beau travail. C'est un joueur des îles françaises qui, manifestement, absolument, accompli vient l'affaire. De marquer. Comme quoi l'histoire ne se refera pas. Il marque Ataka, mais bon, c'était pas fait quand même, parce que sur la fin, là, il faut. Double crochette. Superbement fait de la part de Wenke Teki, Wikitiki, Wokotoko. Regarde-moi ça, oh là là, juste. Premier essai, magnifique quand même. Bien sur ses appuis.
Et surtout, surtout bien construit. Ça a été un beau mouvement. Ils étaient vexés là, de cette fait un petit peu. Là, c'est l'amour. Hein, là, ça, c'est de la belle image, effectivement. C'est l'amour. Mais qui s'est barré là? Qui? Du label de la belle image. Il y a déjà du changement du côté français. C'est le capitaine qui est sorti et c'est Camille. C'est Camille qui rentre, Jacques. Ah bon? Ah ouais, c'est Camille. Camille. D'accord. Ouais. Katz. Qui était pourtant sur le fil. C'est qui T4? Non, pardon, c'est qui T4? Ah, avec le jeune français, donc, pour une transformation de l'essai 1 plus 2. Oui, 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 oui. Allez, on y va. 2 sur la 2, c'est fait, ça va être fait. On se prépare. C'est prêté, c'est prêté. C'est loupé. C'est fait, c'est fait. C'est dedans, c'est bon. Ah non? Il dit non, l'autre. Oh, Jean-Louis, un ralenti précis, Jean-Louis. Non. S'il te plaît. L'angle était très trahissant. Par contre, ça, c'est une belle flèche, Jean-Louis. Allez, 83 francs à Omar. Ah ouais, quel beau plan, Jean-Louis, ça c'est joli, on dirait une flèche qui vient vers nous directement, là c'est beau, Jean-Louis, bravo ta mère. Ah oui, l'équipe des Saoma. Et ça, au moins. Et c'est un retour du ballon par les Samoa qui le rendent directement donc aux joueurs français qui vont pouvoir se relancer. Et bien maintenant, l'équipe tordue des tricolores mène 8-3. Ouais. C'est pas démérité. Non. On a vu la réaction française. Exactement, efficace. Et puis on a senti, on sent quand même qu'il y a un niveau supérieur. Oui. Hein. Une fois qu'ils vont commencer à rentrer véritablement dans le match, ça va être un carnage, moi je te le dis, ça va être une boucherie. Oui, apparemment l'arbitre, hein, Monsieur Petit Salé Olanti, mijote un truc. Oui, mais attends, il a tous les matchs. Hein. Oui, plus il mijote, meilleur il sera. Vous verrez qu'en fin de partie, il sera très bon. Ok, partie de rugby continue. C'est parti pour les Français. Impact first et impact ouverture second. Voilà, défend. D'abord, donc, c'est la impact destruction first, et ensuite. Ouverture seconde. Ah. Ouais, bon. Ah. Tentative de quelque chose. Attends. Par-dessus tout le monde, up and under. Récupéra de Francis avec beaucoup de chun. Beaucoup, moult, moult chance. Ouais. Moult chance et ce ballon-là de nouveau contre eux. Cette fois-ci, c'était n'importe quoi. Ouais. Et ce sera une mêlée au bénéfice des Samoa. Vous écoutez Radio Sportaz. Nous sommes sur le net. Vous avez un message. Écoutez, je sais ce que vous éprouvez parce que j'éprouve la même chose. Oui. D'accord. Merci, madame. Premier message, on voit le bafouillage, là c'est n'importe quoi. Et heureusement l'arbitre a arrêté tout ça pour signaler une mêlée. Instant très important. Au niveau mêlée, les deux équipes se sont maintenues pour l'instant jusqu'à maintenant pour l'instu. Merci Jacques pour cette précision. C'est perdu. On a entendu l'impact des packs et c'est parti. Allez, mêlée, effort des deux côtés. Ouais, sortie on maintient, on perd le ballon. Oh, et c'est Pizzamon. Ouais, ça profite aux Français, bien sûr. Tout droit, petite droite. Et c'est reparti. Il a été overstucké. Il a ramassé quand même. Oui, Jean-Lan, écarté là-bas, tout au fond. Là-bas, ils sont trois. Le ballon. 10 mètres, même pas de. C'est trop tard. Tombé France. France qui attaque. Il a lâché le ballon sur la ligne, devant la ligne, que s'est-il passé en avant? Caméra, pas caméra. Ce sera donc une mêlée. Ah, enfin un petit peu de jeu, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça bien avant. Ils étaient décalés, il y avait le trou, ils auraient pu marquer. Allez vous coucher! Oh, gada. C'est quoi, c'est 16 minutes de jeu, Jockey? Oui, c'est exactement ça, c'est l'heure de laisser. Quelques secondes. C'est tombé, on le voit, Pizzamon dans une forme. Extraordinaire. C'était joli à voir tout de même en face, en haut, sur le côté. Belle phase de jeu française. Non. Et non, on n'y a pas essayé. Non. Il y a un grossier en avant de la part de. Avant de passer, du changement. On veut du changement. Non, on fait revenir celui qui est allé se faire changer la rate. Ça y est, ça va. D'accord. On change en direct, on greffe, on regreffe. Ah oui, sinon ils ne pourraient pas tenir tout un match, les mecs. On les change au fur et à mesure. Et on ne regreffe rien. Non. Reprise du jeu, 16 minutes. 27, du coup, c'est plus ou moins recalé. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait décalé, il aurait fallu arrêter le jeu. Alors on peut aussi se recaler en fonction du temps réel, c'est cela aussi. On va le faire comme ça. La souplesse dans l'allégresse. Vraiment souplesse, nous arrêtons le chrono. Et dès qu'il passera à 17-09.
Non, c'est pas très prudent. Nous le relançons. Nous ne sommes pas les rois de la prudence. Allez, une fois de plus, petite intervention de monsieur sur la mêlée française qui se fait sanctionner. Attention, ça va permettre aux Samoa de se dégager. Mais c'est bien dommage, il était sous pression. C'est Sion. Nous fûmes prêts, effectivement, d'un second essai. Second try. On surveille ça, hein, le chrono, ouais. Jacques. À 17-9, tu me le dis, je plonge sur le, sur le bouton. Hein, tu me l'as dit, t'es prêt, attention. Ouais, c'est dans 7, 8, 8, 9. J'ai lâché la purée. On est recalé. Ben voilà, on trouve en direct la parade shift. Au direct. On devait se trouver le time shift nous-mêmes. On vous le vend depuis des années et nous, on vient de le trouver. C'est quand même une extraordinaire histoire. Le ballon est relâcé par l'équipe de France avec Jean-Pierre. Intérieur. Ça, c'est belle ouverture. Houguette. Houguette pour Bernadette. C'est magnifique. Ouh, là, il y a un pactole. Le pactole. Il y a ses sorties. Ça y est, en combinaison. Encore un crochet. Bien le crochet. Ah, il a le crochet. Hein. Bon, c'est beau. Prendre chez mamie hein, pour avoir des crochets comme ça, il a du gain. Crocheté beaucoup. Par contre, du côté des Samoans, on commence à plonger dans les jambes. Avec plus l'envie de te péter le tibia que de t'arrêter. Et là, le ballon est français sur la droite. Avec Huguette. Huguette qui contourne. Vas-y. Alors tu vois, visiblement, ils ont reçu des consignes quand même, les joueurs français, c'est-à-dire de contourner, pas aller au contact direct. Essayer de contourner et faire jouer derrière eux. Voilà, c'est surtout ça. Éviter le mur, Samoa. Ah, Samoa, pas étonné ça. Là, attention, attention. Si l'arbitre indique quelque chose. Non, en avant. Non, en avant. Oui, il l'a vu de ses deux yeux vus. Oui, tandis qu'ici, dans le vent des globes. Oui, il se passe plus rien ou quoi, Jackie? C'est-à-dire qu'il faudrait quand même savoir maintenant à quoi vous pensez. Hein, à quoi pensez-vous, Jacques? Envoyez-moi le son, s'il vous plaît, je n'ai pas le son de la mer. Vous venez en... Allô? Il y a de la houle. Ah oui, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui, merci, Jacques, on vous rappelle dès qu'on a l'hameçon. Il le note, il note tout. Notez Jacques, rappelez Jacques. Ils sont en train de tout noter sur le carnet français. Oh là là, quel bordel. Ne touchez plus les boutons. Oui, c'est ça. Si vous avez de l'antigrippe, c'est peut-être le moment aussi de nous l'envoyer. Alors Jacques, pour la seconde période, je te demanderai donc de m'afficher la page Facebook. On ne sait jamais, alors, peut-être. Oui, sur votre... Peut-être y a-t-il quelqu'un qui nous a envoyé un message par Facebook. Supplément page. Hein? Ça vaut combien? Allez, cette fois-ci, ce sont les Samoa qui sont sanctionnés sur cette mêlée. La mêlée devient le cancer du rugby, quand même, Jacques. C'est un problème sérieux, alors que ça fait partie... On pourra poser la question au Canserbe. oui, merci, Jacques. C'est un peu... Hein? Ça croit pas, hein, ça. Ah, tout de suite, hein, il faut arrêter le chronomètre. Arrêtons, mais... Ah oui, mais après, on le reprend quand on veut, c'est ça, en fait. En fait, non, c'est pas mieux de reprendre quand on fout. Si, c'est là, tu fous, il est décalé pour de bon. Allez. Après, on vous dit si on est vraiment calé. Ça, c'est la caméra de l'arbitre. Tu as vu, c'est intéressant. Là, on est quasi calé, mais on n'est pas totalement calé. D'accord. Je retiens, Jacques. Le ballon est français avec Pizzamol qui va le sortir maintenant au piqué moule. Oui. Oh, ça un peu humidité peut-être. Hein, je ne sais pas trop. Oui, non. Ça tombe un peu. Il a récupéré la picamouille. Oui, mais c'est ça. Picamouille. C'est sûr. Il y a quand même du sacré contact. Mais cette fois-ci, c'est bon. Elle est longue. Qu'est-ce qu'il y a à faire l'autre ? Une sautée. Une belle, très, très belle sautée. Qu'appréciera monsieur Petit Salé aujourd'hui. Affirmatif. Oui, ça, c'est sûr que. Il va. Franco de port. Ballon aux abords de l'arbitre. Les Français bombardent désormais la défense samoane. Aux abois, le Camédel Bijard qui envoie ses troupes maintenant au front pour faire éclater la défense samoane. Enfin, si c'est Bijard, ça va finir en boucherie. Mais les autochtones résistent. Écoutez-moi ça, ils se battent avec des sons. Extraordinaire. Que va dire monsieur Petit Salé aux lentilles? Sortez-moi ce ballon et jouez-le parce qu'il est là, le ballon. Ils peuvent. C'est fait. Laissez jouer rapidement peut-être par les Français. Non. Bien monté les gars. Bravo. Sparta. Sparta. C'est joué vite. C'est récupéré. Mais non. Mais non. 21 minutes de jeu. 8-3. France-Samoa. 8-3. Merci les gars, merci Simon pour le score. Après, gardez quand même le reste pour les jingles. si vous pouvez, on va essayer de tout faire à la main ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et oui, le pied est en touche, la tête est en touche, le corps est en touche. Oui, et c'est fait, la touche est faite. Et tu es en touche. Samoa.
Ils sont vénéreux, là, ah, ils sont de toute façon. Vénéreux. Alors, Jacques, il va falloir quand même... C'est un concentré, bien évidemment. On va essayer de trouver le deuxième adjectif chez le premier. Alors, si c'est vénéneux... Nous, ils sont vénérables et généreux. Voilà. Vénéreux. Il me manquait le deuxième. C'est un nouveau jeu de Jacques. Hein, voilà. Trouver les deux mots qui composent un seul et premier. Oui, oui, c'est mon côté barbarians, barbarisme, ouais. Bien sûr. Et ça, il y a du côté tricolore, on s'est quand même à jouer, hein, à confisquer le ballon et enfin se faire des passes, à faire les combinaisons. C'est ressorti pour la France avec la Rochelle. La Rochelle, oui. Non, pas très haute, hein, cette fois-ci. Non, mais quand même à bonne hauteur d'homme. Tout et de même, voilà, on est en Biarritz. Le petit retour intérieur. Biarritz. Ouh, c'était juste la passe, c'était pas forcément pour lui, on peut la donner, la donne. Ouguette. Ouguette a sorti, non. Lui, il est quand même particulier dans ses appuis. Oui, tu veux dire... Il a pris le coup de son adversaire. Attention, voilà, il a double masse. Sans Antonio qui était parti. Yes. Et on va marquer forcément, oui, les Français vont marquer parce que la défense, Samoa va lâcher. Le colonel Bijard qui renvoie ses troupes maintenant sur le front. On chipe le ballon. Mais les autochtones défendent magnifiquement les saguets. Ils nous écroulent. Ils nous écroulent. Oh, et ils nous empêchent de développer notre jeu. Bravo. Comment on dit quand on recule? Pénalité pour les Français, mais quand on recule, Jacques, on dit que c'est la retraite. Oui, peut-être, cela dépend effectivement de la rapidité de la remontée une fois reculée. Oui, alors c'est une pénalité au bénéfice des Français, que vont-ils faire? La tenter, oui, ils la tentent. Oh, pouf, sans les souris, il est content, il la tente, le son est content. Allez, ouais, tant qu'il se passe quelque chose. On va écouter cette tentative de transformation de pénalité en musique. Nous n'aimons pas ce qui est latent, nous préférons ce qui est latente. Ou latin. Laissez cette musique qui est bien, qui va nous entretenir jusqu'à la tentative de pénalité. Yes. Elle est là, oui. Relativement facile. On ne peut pas dire donc, amateur. Oui, on peut arrêter la musique, alors du coup, parce que là, ça fait quand même mal à la tête au bout d'un moment. c'est sympathique, mais... Le rire diminue le stress, lutte contre la constipation, évite la dépression, facilite le sommeil, combat l'aérophagie, prévient les maladies cardiovasculaires, réduit le cholestérol, soulage la douleur, aide la digestion, et la liste n'est pas exhaustive. Eh bien, dis donc. Alors, rigolez. Merci. La constipation, je suis content de le savoir. Ouais, hein, ouais. Tout le monde n'agite pas son drapeau, là, c'est pas bien. Attention. Il y a du changement, Jacqueline? Non. Non, le vent est le même, il n'a pas bougé. Non, et puis les joueurs non plus. Hein. Non, pour l'instant, Jacques, le changement, d'accord, c'est à l'habitant. C'est pas pour maintenant. Allez, arrive, on y retourne. Vous avez compris maintenant. Merci, bonsoir. 11-3, hein, France-Samoa. Oui, c'est reparti. Donc, quelques petits points de plus pour la France. Rien de formidable, si ce n'est un faux en avant. C'était rigolo, ça. Une phase de jeu footballistique. Un peu curieuse, ce qui se passait. Ouais. Jean-Louis, garde-moi ça. Il fallait faire un petit pont. C'était mignon comme tout. Ils n'osaient pas toucher le ballon, les deux. Là, au bord de la touche, c'était joli, Jean-Louis, joli. Non, arrêtez, ça va. Y a pas que ça comme musique de joie. Le merdier. Le merdier sonore. On a eu de diarrhée. Non, c'est de la purée sonore. Non, ça ressemblait plus à la purée sonore. Une espèce de vieille diarrhée, là, quand enfin. Même. Oh là là, Trouduc. Il y a quelqu'un, mais Trouduc, il est bien pris. Là, mais aussi sa sereine certitude qu'il comprendra bientôt. C'est joli, madame. Ouais, c'est joli ce que vous dites, madame. Nous remettre à notre place. Ah, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Attention, mêlée au bénéfice des Samoa dans, me semble-t-il, les 22 mètres français, oui, non? Non. Ah non. Ah si, regarde-moi ça. Ça y est. Ah si, couché même. Là. On laboure, comme on dit en Angleterre. Allez. C'est un petit peu dommage. C'est mêlée, ça commence, Jacques, toi qui as réfléchi au rugby longtemps. Oui, déjà, changer la mêlée. Déjà, on change, on l'appellera le mêlée. Ce sera mieux, tu penses? Oui, parce que ça va déstabiliser les joueurs. Et c'est vrai que c'est important de déstabiliser les joueurs qui sont fermés. Un petit peu trop dans l'habitude. Bien, c'est le doublage. Jacques a enchaîné sur du doublage. Pour ceux qui n'ont pas les images, ça va être un peu difficile. C'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer la phrase. On continue. Écoute, vas-y, quoi. Et puis merde. Allez, mêlée pour le Samoa. Mais attention, si elle s'écroule de nouveau. C'était faux. Comment ça, madame? Non, madame. Cette phrase ne dit que des choses vraies.
Alors attendez, parce que là, là par contre, voilà, il y a. Ça s'écroule. Voilà. Arrêtez tout. Attention, c'est dangereux hein, pour l'intégrité physique de cette première ligne de pack. Là, tu te rends compte, t'as 800 kilos là sur les reins, avec la tête enfoncée dans le sol, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Ouais, enfin, même s'ils sont habitués. Ça ferait quand même moins mal que 800 km/h. Ah, ça dépend ce que tu lances à 800 km/h, Jacques. Si c'est une plume, tu n'auras pas de problème. Tu comprends pourquoi le numéro 20, l'autre là, rien, il a numéro 20. Comment, quoi, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Okay. Allô? Non, parlez tous, mais pas en même temps. Attention, cette mêlée, oui, ça fait 5 minutes qu'on vous propose une mêlée qui ne se joue pas. C'est ça le problème du rugby maintenant. Et l'autre qui revient, elle en profite dès qu'il y a un petit trou. Merci. Oh, ça arrive de tous les côtés, tout le monde veut rentrer. Eh oui, cette fois-ci, c'est signalé. Voilà, c'est bon, c'est bon. Nous aussi, on arrête les conneries si vous arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries, quoi. Parce que nous, on veut arrêter les conneries. Non, on les reprend, là, juste. Jean-Louis? Tu me confirmes? Oui, Jean-Louis confirme, Jean-Louis, dis-lui. Oh. Comment ça, Sportaz? Oui, Sportaz, vous écoutez Radio Sportaz, vous ne le dites pas assez. Hein? Au Liban, bon, la maman, rien de particulier. D'accord. Et pour nous, vous avez pas un petit truc, hein? Ah, ok, ça, c'est du ralenti impeccable. Jean-Louis, par contre, je l'aime bien, celui-ci. C'est vrai, tu l'as aussi. Celui-ci, bon enchaînement, bonne gueule. Pacifique. Et surtout l'expression dans le visage qui est important. Oui, des peuples qui ont des cultures ancestrales. Et n'oublions pas qu'ils se font piller quand même, hein, les Samoa. Les peuples primaires. Oui, mais surtout leurs bons joueurs. Et qui se préparaient à cette Coupe du Monde avec tellement de joie. Madame, je suis gentil de vous laisser finir, laissez-moi finir s'il vous plaît. Laissez le débat vivre. Oui, laissez le débat. Enfin, chaque fois que je sors une phrase, vous apparaissez. Non, madame, on ne va pas s'en sortir. Alors, le ballon est dans les mains samoanes avec pom pom boum boum. Samoa. Des fois ils font n'importe quoi effectivement, mais là ça va, ça sort et ça ressort et ça tire. Poltergeist qui met la terreur, qui balance là-bas au loin en français, mais c'est trop imprécis, trop facile finalement pour la défense française de récupérer ce ballon. Il était beau ce coup de pied. Vous avez pensé à des scénarios terribles. Madame, allez finir votre vie. C'est vous maintenant qui êtes un cauchemar. Pas de quoi exactement vous parlez, mais en ce moment ballon italiano. Ça commémore, mais bon. On y pense encore avec Huguette qui fait une interception. Ah oui, Huguette qui revient de un an de blessure et qui marque l'essai à l'équipe de France. Oui, c'est moi, je m'appelle Huguette. Huguette, go! C'est un goal. On me semble-t-il avec une petite interception de Oulamoura ou Folfana. Ouais, belle aubaine. Oh, il est bon celui-ci, là il est particulièrement bon. Il récupère le ballon, oui, c'est Folfada qui transmet à Huguette. Ah oui, avec une passe intérieure magnifique. Ah, Huguette qui doit savourer à ce moment-là quand même. Pratiquement à l'aveugle, et c'est magnifique. Il s'était tout pété juste au premier match de Coupe du Monde, il doit arrêter pendant un an, il revient le mec. Exact. On lui fait confiance surtout, tu vois, on lui fait confiance, on le remet sur le terrain de suite, et là, clac, il marque. Et voilà, grâce à Puget, on met de l'huile dans l'équipe de France. Ah, il est allé planter l'olive dans la butte, eh oui. J'ai beaucoup entendu dire qu'ils méprisaient leurs supporters. Oui, mais arrêtez madame, et puis Jacques, pas de publicité, s'il te plaît, merci. C'est une pub? Bah alors là, il faut arrêter la télé. Si, Jacques, toi, tu es une pub, toi, oui. Ah, pardon. Ouais. Allez. Allez, Marchemo qui va tenter la transformation de ce putain d'essai marqué par les Français. Oui. Ouais, là, ça commence à faire un bon écart. Ça monte un petit peu, oui. Pour l'équipe de France, rond rouge. Ça te gêne, ça t'a perturbé pendant tout le match. C'est un petit peu délicat, tout de même. Et cette fois-ci, c'est transformé, c'est go. Mais bon, c'est du bleu pacifique. Prenons-nous comme tel. Excuse-moi, mais je comprends plus rien aux pénalités. Alors là. Ça rentre par autre part, comme d'habitude. Là, il me semblait qu'elle était rentrée pleinement et ils n'ont pas levé les drapeaux. Alors là, Jean-Louis. Jean-Louis, si en plus on n'a pas le ralenti, comment tu veux? Non, Jean-Louis. On s'en sortit. Pas celui-là. Oh, Jean-Louis, t'en as foutu partout. Ah, là, range ta coque, Jean-Louis. Bon, 16-3 pour les Frenchies dans ce test match de Rugby's face aux Samoa. On s'est fait peur les 5 premières minutes, bien évidemment. Yep. Hein, oui, il fallait maintenir le suspense, il fallait créer l'engouement autour de ce match. Ta gueule, tu vas la fermer, tu vas la fermer ta gueule, et colasse. Hein. Dans les journaux, et moi j'ai lu le contraire. Non, madame, c'est pas vrai, madame, absolument pas. Vous mentez, madame. S'il vous plaît, pas d'insultes non plus sexistes, s'il vous plaît, Jacques. Normalement, c'est sur d'autres plateaux. Ça se passe. Non. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Chacun.
Alors, vous, vous connaissez bien cette équipe de France. Alors... Oui, mais il faut dire qu'elle est vraiment nerveuse. Elle commence à mal finir, cette affaire. Taquine, hein, ouais. Et donc, il y a désormais 16-3, 31 minutes. Oui, à noter quand même qu'il y a beaucoup de plus en plus de journalistes sportives, hein, si je puis dire, de journalistes féminines. Oui. Féminins. Oui, c'est disons la part belle, hein, je dirais, pour l'instant. Hein, parce qu'elles sont, elles sont confinées aux petites tâches obscures. Aux... D'accord. Hein, c'est pas tout à fait. Attention avec un essai français. Ah, le franchise, non, si, on voit comment il est bon, lui, normalement. Oui, mais cette fois-ci, il va pas. Tout seul, il était bien. Ça, c'est joli, les gars. Français. Ah, c'est dommage qu'il ait perdu. C'est pas perdu, avec beaucoup de tchoutchoun. Si, si, tchoutchoun. Et ils sont encore là quand même, les Samoans, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter l'hémorragie, mais ils vont ramasser cette fois-ci. C'est le troisième. Ils sont 50 là-bas pour les marquer, mais c'est lui qui va. Il va se faire plaisir, go là. Allez, on amasse. C'est marqué. Ouais, on va profiter, hein, parce qu'il y aura l'Australie la prochaine fois, et puis la fois suivante, il y aura les All Blacks. Ce ne sera pas tout à fait pareil, peut-être. Oui, ouais, bien que les All Blacks, bizarrement, ils se sont fait battre dernièrement. Oui, mais par une formidable équipe. L'Irlandaise, hein, c'est ça, hein, du vert. Regarde-moi ça continue. Ouais. L'action suivie par Jean-Louis Oranti avec tentative de feinte, mais ça ne passe pas. Joli plaquage, belle défense, et pourtant, ça relance. Et bien évidemment, ça va finir au bout avec celui qui est rentré en remplacement et qui veut lui aussi se faire plaisir. C'est goal. Ils y croyaient. Bien sûr qu'ils y croient. Face à une équipe comme le Samoa, si on n'y croit pas. Ouais, mais de toute façon, les joueurs, dès qu'ils ont le goût du sang, là, tu vois, le goût de l'embu dans la bouche, là, après c'est fini, tu ne peux plus les arrêter. Hein, c'est comme les chiens. Bon, je ne vois pas Usain Bolt, je ne vois pas celui qui aurait... le plus de goût du sang que lui. Il m'a dit autre chose aussi, il m'a dit... Mon banquier a le goût du sang aussi. Du bifton. Attention à cette tentative de pénalité. Moche, nous. Moche. Alors, ça rentre ou ça rentre pas, là? Dis-moi, moi, je vois rentrer. Ah, mais voilà. L'angle n'est pas fabuleux, Jean-Louis. C'est ça que ça dit, là. Par contre, on l'aime, cet angle-là. On va revoir, donc, l'ailier français. Oh, regarde ça. La loupe à 60 images secondes. Ouais. Ça, c'est le truc. Ça t'arrête le temps. Et OK, for France, il y a un troisième essai. Oui. Troisième essai, on va avoir le point du bonus si ça continue. Je ne sais pas si ça compte à ce niveau-là. On s'en fout, on verra. Bon, tout à l'heure, on ira chercher. Le dernier pétard. Non, on n'est pas fini le match. L'arqué. Oh là là, il va en reprendre un. Oh, ces pauvres Samoans, au bout d'un moment, au début, on rigolait, mais là, on va finir par avoir pitié d'eux. Hein, ça... 20 points d'écart, ça commence à faire beaucoup, même si c'est la France digne du vin. 20 points, hein, quel honneur chaque année. Toute une mi-temps à jouer, quand même. Et puis là, ça va défiler, ça va dérouler. Francia, intérieur, bien, moins bien. Tout seul, non, pas tout seul. Ils se sont embrouillés la tête, ils se sont tous embrouillés tout seuls. Ils étaient 3 contre 2. Ils avaient tout pour marquer l'essai, là, ils se sont. Ils se sont embrouillés, ils étaient trop nombreux, finalement. Trop facile, c'était bien joué de la part de l'autre, mais ça y va. Il est à l'arrière, Folfada, regarde là, Folfada, si elle est. Et allez, j'y vais, j'attends. Et là, vous êtes combien? Vous êtes là, il faut dire que ça passe, c'est pas terrible quand même. Il attend quelqu'un en bas. Merci Jean-Louis pour ce cadrage plein de face. C'est Sporta. 783, France Samoa. Et là, ça va pas. Pour lui, ça va pas. 23-1-3. Séduction sonore, la séduction sonore. Bien sûr, on a vu Bibar. L'investissement qu'il représente en termes d'association pour une marque. Bien sûr, Sporta. Bien sûr, Sporta Foundation, bien sûr. Un atout. Lui ça. Ouais, il y en a tout. Et pour finir. Comme ça, moi. Je vous rappelle que nous ne savons pas ce qui va sortir. Oui, non. Jamais. Alors là, je ne sais pas. Hein, c'est quoi là? Si, finalement, la je crois que je sais ce qui va sortir. C'est un joueur. Qu'est-ce qui se passe? Jackie, hein, c'est quoi ce qu'on applique? Regardez, on tire sur le terrain. Après, je suis là. À quoi on a droit? Une prochaine chorégraphie. Dance floor. Super. Bravo, vraiment, le sport est moderne. Allez, il y a du changement de tout, non? Non, rien du tout. Attention. Est-ce qu'on peut reprendre? Parce que moi j'avais arrêté le chronomètre intelligemment. Ah, on va reprendre. Mais j'ai quelques difficultés à regarder là où se trouve le chrono. Ah, cette passe est foireuse, c'est vraiment dommage. Ça, au 32e. La gueule du mec qui loupe le ballon. Ça va vous donner envie de faire un autre sport.
Je vous rappelle que vous n'arriverez jamais à courir aussi lentement. N'essayez pas, ça va vous fatiguer. Ouais. Non, je crois qu'il va falloir se méfier de cette précision. Voilà, c'est reparti, 10 secondes. Alors ça c'est cool, mais c'est facile d'aller jouer, allez. 35 maintenant, oui, mais ça va, 14, ça va, 15 secondes. T'inquiète pas, on récupérera, c'est bon. À la mi-temps, on récupérera, oui. C'est sûr. Dégagement samoan le plus loin possible, et c'est bien fait pour calmer un petit peu tout ça. Et arrêter quand même d'en prendre de tous les côtés. Voilà. Ils ont du mal hein, maintenant à toucher le ballon. Même. Pour suivre l'équipe de France. Oui, on va poursuivre la bonne dynamique dans cette équipe de France. Qui doit s'attendre à quand même une autre position dès la semaine prochaine. Ouais. Par contre, nous ne sommes pas sûrs. Nous sommes sûrs que nous ne serons pas. Nous vous ferons la liste des matchs que nous ne pourrons pas faire. Oui, non, à part ces deux matchs de reprise, la vraie reprise officielle des choix officiels, c'était le 26 novembre, bien sûr. Date que vous aurez noté, France All Black. Tandis qu'il y a Hercule Poirot qui sort du côté français, je crois qu'il a été, été démasqué. Et du coup, ils lui ont fait un petit peu payer ses enquêtes. Et il va sortir, mais c'est du rude hein, quand même, hein, pour l'équipe de France. Là, c'est quand même du solide qui sort. Alors, monsieur, c'est un peu dommage. Salé aux lentilles, hein, qui se remue un peu. Ah ouais. Pour ne pas coller au terrain. Il a raison, il faut. Il sait comment il faut. Il faut être bon, monsieur, ouais. Salé aux lentilles. Il a du fond de jeu. Bon, là, on fait rentrer un tout jeune, oui, c'est un baby. Un poireau, il est cuit. Hein, je veux dire. Il est bien cuit sur lui-même. Allez, c'est parti. Espère que les Samoans vont un petit peu mieux résister à cette vague française. Non, je ne pense pas, Jacques. À la mi-temps, je pense qu'ils vont pouvoir résister. Là, ils en prendront pas. C'est sûr. C'est le seul instant où ils n'en prendront pas des points à la mi-temps. Mais là. Là, ils n'en prennent pas. Là, ils comprennent. Ils comprennent qu'il ne faut plus qu'ils en prennent. Mais ça devient de plus en plus dur. Ami de Samoa, relève le défi pour le Pacifique. Montre-nous un petit peu plus de résistance. Au jeu, ben un petit peu quand même stéréotypé de France, regarde. Ce sera une pénalité, ils sont souvent en position de hors-jeu pour éviter justement de laisser les joueurs français prendre de l'élan et les exploser au passage. Et donc ce sera une pénalité, mais on va pas la tenter. On la joue. Oh non, tu la tentes pas. Ah, 23-3, tu tentes une pénalité. Beau, ça. Face au Samoa, on a un petit peu plus de panache, quoi. Bah, c'est vrai que là, c'est un peu dégueulasse. J'avais déjà remarqué que les buveurs de bière manquaient souvent de panache. Oui, Jacques. Tu te fais mousser, hein. À chaque occasion, tu te fais mousser. Alors, non, oui, d'ailleurs, en parlant de ça, voilà. Alors, c'est une pénalité, c'est dommage qu'on la tente. Non, je suis un petit peu. Je suis étonné, d'ailleurs, nous ne rencontrons pas les Springboks. Ben non, curieusement. Non, bizarre. Alors, j'aimerais bien. Mais c'est bien. D'ailleurs, ils ont joué contre les British là, cet après-midi. Ouais. D'accord. Qui sont toujours pas sortis du système. Donc une voiture sur le terrain. Là, on recolle les doigts pour éviter qu'ils se mélangent. Ouais, c'est intelligemment fait de la part du staff médical. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, effectivement, on prépare le coup de pied minable pour 3 points minables. Oui, une équipe de France qui a pris une décision minable. C'est vrai. Ça, ils mériteraient presque de le mettre à côté. Ce serait quand même. Bien, mais tant pis. Voilà, nous ne compterons pas ces points. Voilà, nous boycottons ces points, nous ne les compterons pas dans le score. Tout simplement. 3, une cassette de 12 secondes, retraçant l'épopée de l'équipe de France en Corée. Avec le général Bijard. 1,99€, le premier épisode. Alors, c'est un renvoi. C'est la double peine au rugby. Tu prends un essai et en plus tu dois renvoyer le ballon ensuite. Ouais. C'est quand même difficile. Oui. Bon. Un essai ou des points, pardon. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que la Chine peine en ce moment. Oh là, l'autre il passe au milieu de tout le monde. Et oui, Jacques se fend la gueule tout seul. Il se fait son film. Attention avec l'arrivée intempestive de nos amis français qui maintenant déroulent le jeu. Il est bon, hein, le centre castré là, la muraille, il est quand même particulièrement sérieux. Et c'est un en avant. En avant aussi, les Samoans le récupèrent, l'arbitre laissera le jeu se développer. En plus, on fait une petite faute avec un talonnage à la main du côté français. Pénalité pour les Samoans qui vont pouvoir se dégager. Vous écoutez Radio Sportaz. 783, France Samoa, 26-3. Qu'est-ce que tu crois hein? Il fait pas froid. Avec en bonus track. Jacques. Chez vous, à la maison, pendant 2 heures. Ah putain non, là, attention, regarde-le, oh là il est bon, pudding et pizza molle là, ils ont bien rassasié les Samoans, hein, je vais dire.
Ça va, les gars? Oui, ça passe et ça débouche sur des essais qui eux-mêmes débouchent sur des... tirs de coups de pied. Hein, donc, oui, c'est oui. Une touche pour l'instant. 26-3, les Français. Non, 23-3. Je ne compte pas ces trois fois. Oui, mais nous les décompterons à la fin. Bon, d'accord. Si nous enlèverons à la fin, ça nous évitera de s'embrouiller en direct. Attention avec les Français. Il ne faudra pas oublier de l'enlever ces trois points à la fin. Ah sauf ouais, si en plus, ils vont peut-être en marquer un nouveau. Ah, ils conservent le ballon. Laissez-moi, pardon. Laissez-moi. Il s'embrouille tout seul. Laissez-le s'embrouiller tout seul. Ah, putain, là, ouais, Berson t'avait emmerdé. Alors, non mais, ce sera donc bientôt la mi-temps. Oui, bientôt la mi-temps. Sur votre écran à vous, sur votre chronomètre, effectivement, nous sommes un petit peu en avance. Mais c'est bientôt la mi-temps. Cette partie va s'arrêter. Ralenti d'en haut. Merci, Jean-Louis. Magnifique récupération française, mais il y avait une faute avant. Mm-hmm. Alors tu vois ces images, regarde cette perfection, aucune pixelisation. Et c'est la mi-temps, ça y est, entre la France et voilà. Le Samoa, 26-3. On peut arrêter le chrono, nous. On arrête le chrono. On repasse tout à l'heure, dès que possible. Et est-ce qu'on coupe, hein? On coupe ou on laisse On va laisser du son tranquillement, voilà, dans quelques instants tannés. A tout de suite.